Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Douille, c'est l'inspiration idéale soi-même. Et bienvenue dans un nouveau tuto pour écharpe. Donc voilà, c'est déjà avec ce fil vraiment sympa dans les tons violets, dans les tons. Voilà. Nous travaillons avec du crochet 6 mm. Et puis voilà, je vais vous montrer donc comment réaliser cette écharpe avec ce point intéressant. Alors, je commence avec voilà ma pelote ici. Donc c'est la pelote académique de Maeboshi. Donc ton, c'est couleur fuchsia. Alors on a 50% d'acrylique, 25% de laine, 15% de polyamide et 10% d'alpaca. Et ensuite, voilà, c'est pour des crochets 6, de taille 6, si voilà. Voilà, donc je vais prendre déjà, je vais sortir l'étiquette. Et on va travailler avec une chaînette de mailles en l'air pour commencer, bien sûr. Et je vais crocheter donc avec mon crochet numéro 6. On va commencer avec 19 mailles en l'air. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ok. Donc là, je laisse les 3 mailles. Donc bride. Et de nouveau, donc une bride dans la même maille. Ensuite, deux mailles en l'air. Et dans la maille suivante, je crochète à nouveau donc deux brides. J'ai crocheté, donc voilà, oui, deux mailles en l'air, mais deux brides comme ceci. Et maintenant, on va sauter donc deux mailles en l'air et je vais dans la maille suivante pour crocheter deux nouvelles brides. Donc ces deux brides vont être crochetées dans la même maille, bien sûr. Ensuite, deux mailles en l'air et à nouveau donc dans la maille. À côté de la maille dans laquelle on vient de travailler, on va crocheter deux brides. Donc là, on laisse deux mailles. Et à nouveau, deux brides, deux mailles en l'air et dans la maille suivante, dans la maille d'à côté, après encore deux brides. Vous pouvez voir un rendu à peu près du résultat. Voilà, donc là on poursuit. On fait notre bride, deuxième bride, deux mailles en l'air. Et ici deux brides. Donc voilà ce que l'on obtient déjà.
Ouais, donc là j'ai du coup mon V 4 fois. Il me reste 2 mailles en l'air. Et je vais faire un jeté et piquer dans la dernière et crocheter une bride pour terminer le rang. Voilà. Ensuite, on commence avec 3 mailles en l'air et on va attaquer le rang numéro 2. On tourne le travail et je vais crocheter du coup. Au niveau des 2 mailles en l'air, j'ai crocheté 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Voilà, et notre base, ce sera à chaque fois les 2 mailles en l'air que l'on a crocheté entre les deux blocs de 2 brides du rang précédent, bien sûr. En tout cas, le fil se travaille très facilement, c'est assez agréable. Voilà, donc là, on va pouvoir poursuivre. Et voilà, au niveau de la chaîne de mailles en l'air du début du rang, on va crocheter notre bride pour terminer le rang numéro 2. Et ensuite, bah, tous les rangs que vous allez faire à partir de là, donc c'est-à-dire le rang 3, 4, 5, ce sera exactement la même chose que le rang numéro 2. Donc ce sera vraiment sur le même principe. Donc vous avez, voilà, en gros, ce qui change juste, c'est le rang numéro 1 qui est un peu différent parce qu'il faut travailler, faut construire la base. Mais une fois que vous avez cette base, il n'y a plus qu'à continuer sur le même principe, voilà, tout le long de votre travail. Donc on fait toujours en fait au niveau des deux mailles en l'air du rang précédent, ces deux mailles en l'air qui séparent les deux blocs de deux brides, vous crochetez à chaque fois deux brides, deux mailles en l'air, deux brides au niveau de ces deux mailles en l'air. Et donc en fait, vous faites des V dans des V au final. Voilà, donc je vais continuer sur ce principe-là, encore quelques rangs et je vous ferai une petite mise à jour. Donc voilà, petite mise à jour est déjà ici. Donc à 6 rangs de fait. Voilà, donc ça évolue plutôt bien. Ça fait vraiment un beau point à jourer. Donc on a une belle, voilà, une belle largeur quand même. Et on va continuer. Je vous montre, voilà, le résultat. Donc j'ai utilisé deux pelotes. Donc on a, voilà, obtenu une belle longueur, donc 150 cm. Voilà, donc c'est assez. Voilà. D'où j'essaie de faire un dernier rang, mais je n'avais pas assez de fil malheureusement. Donc on va devoir le défaire. Et on va terminer à ce niveau-là, donc au niveau de la dernière bride. Donc il n'y a plus qu'à, voilà, raccourcir le fil et le sortir. Ouh là, j'ai une maille en l'air encore. Voilà, on raccourcit le fil. Donc s'il est suffisamment court, vous avez juste à le tirer complètement, voilà, pour que vous n'ayez plus à le, que vous puissiez plus que
Vous n'avez plus qu'à le coudre. Voilà, donc bon, il y a toutes les coutures à faire, bien sûr, hein, c'est-à-dire là où aussi vous allez changer le pelote, à ce niveau-là, au début, à la fin. Donc voilà, j'espère vraiment que ce point, cette écharpe vous plaît. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, des avis, suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, donc, on se dit à très très vite. Salut!